Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On s'attaque ensemble à la chambre de ma fille. Depuis le temps que je dis que je vais vous la faire, que je vais vous la présenter. Voilà enfin l'organisation de sa chambre. Donc là, on va ensemble trier, désencombrer, désorganiser. Non, pas désorganiser. Organiser, organiser, oui. On va pas désorganiser. Le but ici, c'est d'organiser au mieux une chambre pour gagner du temps au quotidien. Dans cette vidéo, comment je vais procéder? Donc, en premier lieu, je vais commencer par trier, regarder tous les vêtements qui sont trop petits pour ma fille. Je vais les retirer et les mettre de côté. Après, dès lors que j'aurai fini de trier, je vais organiser ces vêtements dans des paniers que j'ai achetés chez Action. Donc, dès qu'on aura fini d'organiser ces vêtements, on va s'attaquer au ménage et au rangement de sa chambre. Donc là, tous les vêtements que je range sur cintre, j'ai fini de les trier, donc je les ai mis de côté. Là, je vais m'attaquer à tous les vêtements qui étaient en bas dans le dressing. Donc toujours, on va faire un tri parce que là, vraiment, elle est passée à une taille au-dessus. Donc là, je retire vraiment, vraiment tout ce qui ne lui va pas. Et j'en profite aussi pour regarder les vêtements qu'elle ne porte plus. Oui, parce qu'il y a encore certains vêtements qui lui vont, mais elle n'aime plus. Donc ici, il y a aussi des vêtements d'été. Donc là, pareil, je fais le tri, vois ce qui lui va encore et ce qui ne lui va pas. Petite astuce, lorsque vous avez des pyjamas comme ça, pliez ensemble le tout. En fait, le fait de plier le pantalon avec le pull, ça vous permet de retrouver beaucoup plus facilement vos pyjamas. Oui, on connaît tous l'histoire du pantalon est d'un côté, le pull est d'un côté, et au bout de 6 mois, on perd soit le pantalon, soit le haut, et on les retrouve plus. Donc vraiment, moi, je le fais comme ça, et pour les enfants, c'est beaucoup plus simple. Maintenant que j'ai fini de trier et d'organiser les pyjamas, je m'attaque aux pantalons. Donc là, je vais utiliser tout simplement la méthode de Marie Kondo en termes de pliage. Donc c'est vrai que quand on plie comme ça au niveau des paniers, c'est vraiment top. Et le fait, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de plier comme ça, bah vous retrouvez plus facilement vos pantalons et vous visualisez plus facilement ce que vous avez.
Ça y est, j'ai enfin fini avec les pyjamas, donc maintenant je vais m'attaquer aux débardeurs. Donc regardez comment je plie les débardeurs. Souvent en fait on a les bretelles, les petites bretelles, ça fait pas joli quand on plie, ça part dans tous les sens. Donc moi c'est vrai que quand je commence à plier, je plie par le bas, donc je prends les bretelles et je les replie et je les remonte. Et cette technique de pliage est vraiment top parce qu'au niveau du panier, ça rentre super facilement. Après, pour celles qui n'ont pas de panier, qui n'ont pas de dressing, mais qui ont une commode, vous pouvez utiliser aussi cette méthode de pliage pour ranger vos vêtements. On a toutes chez nous ce genre de panier, ce genre de tiroir où en fait on met tout dedans. J'appelle ça le panier d'Ali Baba. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba, mais ici c'est le panier d'Ali Baba. Donc je mets en fait tout ce que je trouve dans la chambre, je mets dedans. Donc là, je vais en profiter pour regarder si vraiment tout ce qu'il y a dedans, j'en ai besoin ou non. Donc là, ça va. Pour une fois, tout ce qu'il y avait dedans, j'en avais besoin. Donc j'ai quasiment mis à l'intérieur que des articles divers, donc bonnet, écharpe. Bon, ce petit foulard là comme ça que je vais tester, on dirait vraiment un clown. C'est vrai que en fait pour passer le temps, je m'amuse aussi hein. Quand je trie, je m'amuse. Donc là ça je rigole toute seule en faisant mon montage, mais je suis folle, je sais, je suis folle. Mais il faut bien un petit peu d'humour dans ce monde de brut. Donc là, c'est tout ce qui est bonnet de bain, les petits porte-monnaies que j'ai du Maroc, des chaussettes. Ça, c'était lors d'un voyage quand je suis partie, je crois que c'était quand j'étais partie en Afrique du Sud. Petit porte-monnaie. Donc vous avez compris, si vous recherchez quelque chose, vous le trouverez là-dedans. Ah, une barre de selfie. Ah, c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? J'ai enfin fini de trier et de ranger les vêtements et c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre visuellement. On s'y retrouve beaucoup plus facilement. Les pantalons d'un côté, les pyjamas d'hiver, les pyjamas d'été, les t-shirts, les débardeurs. Donc vraiment, tout est à sa place et ça permet aussi de voir ce qu'il manque. Donc là, finalement, ma fille, il ne lui manque rien du tout, alhamdoulilah. Il lui manquait juste
quelques petits pantalons, donc je lui en ai racheté ce week-end. Et ici, les vêtements d'été, elle les a essayés et finalement, ils étaient trop petits. Donc même ceux-là, j'ai fini par les retirer. Donc là, c'est bon. Cette partie dressing est finie. On va maintenant s'attaquer au rangement de sa chambre. Donc au ménage du côté du lit, bureau. Et là, cela, ça, c'est tous les vêtements que j'avais triés, que j'ai mis de côté. Donc je vais tout plier pour pouvoir les donner, Inch'Allah. 갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy Ça y est, j'ai maintenant fini de nettoyer toute la chambre, donc tout ce côté-là, donc de l'autre côté aussi, je l'ai nettoyé après. Malheureusement, il n'y avait plus assez de lumière et je n'avais plus de batterie pour filmer l'autre côté de la partie où j'ai nettoyé. Mais bon, c'est pas grave, en soi, j'ai vraiment fait le même nettoyage, aspirateur, poussière de l'autre côté. Et là, je vais ranger maintenant tous ses livres, donc je lui mets bien tous les livres au niveau de son bureau. Comme ça, en fait, le soir, elle choisit le livre qu'elle souhaite pour lire avant de dormir. Et là, je vais lui ranger tous ses feutres, tous ses crayons. Elle a eu sa période où elle aimait énormément dessiner, donc elle m'a ruiné. Non, elle m'a pas ruiné, elle a acheté avec son argent de poche tous ses feutres et cahiers pour colorier, pour dessiner. Et là, en ce moment, elle est plus trop dessin, mais bon, je lui laisse quand même sur son bureau au cas où. Les feutres et les crayons qu'elle n'utilise pas au quotidien, je lui mets tout dans le tiroir. Comme ça, au moins, c'est bien rangé. On ne les voit pas, ça ne fait pas bazar. Et dès qu'elle a besoin, elle les sort, elle les utilise et elle n'a plus qu'à les remettre dans les tiroirs.
Les bougies sur son bureau sont purement décoratives, elle ne les allume pas, donc elle sait bien qu'elle n'a pas le droit de les allumer. Mais vu qu'elle aime bien les bougies, je me suis dit, allez, pas de souci, tu peux en mettre dans ta chambre. Donc là, je vais finir de nettoyer le bureau. J'utilise ici le produit de chez Action, c'est le produit à base de bicarbonate de soude. Et franchement, il est top pour le nettoyage. Ici, il y avait seulement quelques traces, un coup de chiffon microfibre, le produit est nickel, le bureau est de nouveau blanc. Me reste plus qu'à finaliser le rangement du bureau, de nettoyer le chevet et ça y est, on arrive au bout de la vidéo, j'ai enfin fini de nettoyer sa chambre. Donc je pense que vous avez pu le remarquer, ma fille est une grande fan de Stranger Things. Il y en a partout dans sa chambre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que les petites astuces que je vous ai données vous aideront au quotidien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.